Salut bien mais dans les Seigneurs, que les Seigneurs vous bénisse Gloire à Dieu encore pour ce moment, vous qui me suivez, pour ce moment apprécié ce moment favorable. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre frère l'évangéliste Rodrigue Makongo. Vraiment, soyez bénis, que les Seigneurs soient glorifiés par la grâce de Dieu. Bien aimé, nous allons partager un peu la parole de Dieu. Vous savez, la Bible le déclare que tout a été fait par elle. Et c'est ça aussi le sujet, c'est ça aussi le thème de mon message, de ce petit message que nous allons parler, un bon commencement. Vous savez, pour réussir, il faut aussi avoir un bon commencement. Un bon commencement, ce n'est pas avoir toujours des bonnes choses ou avoir... Toujours ou être avec les gens qui connaissent bien, mais un bon commencement lorsque tu commences par ou à la parole de Dieu, puisque la Bible déclare au commencement était la parole. Nous allons d'abord bénir Dieu, nous allons glorifier le Seigneur. Père, merci pour ce moment. Nous te disons merci pour la parole, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup Saint Esprit. Nous allons prendre la Bible dans les livres de Jean chapitre 1 verset 1 à 4. Jean chapitre 1 verset 1 à 4. Je vais lire la parole. La Bible dit Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oh yes, j'ai béni Dieu. La Bible dit, ce qui m'a touché, en elle était la vie. En elle était la vie. En quoi En la parole, dans la parole qui avait la vie. La vie se trouve en elle. Sans la parole des dieux, il n'y a pas la vie, sans la parole de Dieu, il n'y a pas la révélation. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas des exploits. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas des miracles. C'est pourquoi la Bible nous recommande, la Bible nous enseigne, la Bible veut encore nous dire que au commencement, c'était d'abord la parole. Avant toutes choses. Tu dois commencer par la parole de Dieu avant toutes tes choses. Tu dois associer la parole de Dieu avant toutes tes choses. Tu dois démarrer avec la parole. C'est par la parole que tu dois démarrer. Vous savez, il y a un verset qui nous parle dans les Lics. Et Pierre, il a péché. Pourquoi Pierre avait souhaité? Parce que Pierre a commencé des choses sans pour autant consulter la parole de Dieu. Pierre a Commencer sa pêche, mais il a échoué parce que ce qu'il faisait était sans elle. Donc, c'était sans la parole. Un enfant de Dieu, si tu veux réussir dans ta vie, tu veux réussir dans tes projets, tu veux réussir dans ce que tu fais, il faut commencer d'abord par elle. Elle, c'est la parole. Pourquoi en elle il y a la vie, en elle il y a l'exploit, en elle il y a la bénédiction. En elle, il y a le miracle. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont écarté la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont échoué. Beaucoup de gens ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la parole de Dieu à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la parole de Dieu derrière. Oh, Jésus dit, Jésus-Christ dit, Jésus est dit, je suis le Semain, le même Semain qui est Christ, c'est le même qui est la parole. Tu ne peux pas avoir la vie si tu ne passes pas par la parole de Dieu. Tu ne peux pas voir les miracles si tu ne passes pas par cette parole. Beaucoup de gens ne récitent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal fait les choses. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas commencé par la parole. Il y a des gens qui ont commencé par la bière. Il y a des gens qui ont commencé par le sexe. Il y a des gens qui ont commencé par la haine. Il y a des gens qui ont commencé par l'orgueil. Et lorsque tu commences des choses par la bière, ça ne pas réussir lorsque tu commences les choses par la haine tu ne peux pas échouer lorsque tu commences les choses par le sexe bien aimé les choses ne marchera pas puisque la parole de dieu est le fondement alléluia la parole de dieu est le fondement de toutes choses la parole de dieu est le fondement solide Lorsque tu veux commencer la, une relation, bien aimé, il faut que la parole soit dedans. Il faut commencer à bâtir dans la parole de Dieu. Il faut commencer dans la parole de Dieu. Il faut agir dans la parole. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il a compris la révélation, il dit c'est par ta parole que je jetterai les filets. Si tu veux avoir l'abondance, si tu veux avoir beaucoup de poissons, bien aimé, il faut jeter les filets par la parole. Il faut commencer une relation par la parole. Il faut commencer les affaires. Toi qui fais les business, tu veux commencer les projets. Tu veux un voyage. Tu veux faire même des enfants. Bien, mais tout a été fait par elle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le, le Seigneur? Croire à Dieu. Bien, mais tu ne peux pas faire les choses sans la parole de Dieu. Oh, j'aimais beaucoup Pierre. Bien, mais Pierre lorsqu'il a compris il a dit c'est pas ta parole que moi je veux je te filer c'est pas ta parole ce n'est pas la parole d'un homme ce n'est pas la parole de ton père ce n'est pas la parole de ta tante mais c'est la parole de Dieu c'est la parole du tout puissant cette parole ne peut pas sortir et sans produire des effets mon frère ma sœur, si tu veux réussir dans ta relation si tu veux réussir dans ce que tu fait. commencez d'abord par la parole. Recommencez dans ta parole. Ne commencez pas des choses par la bière. Ne commencez pas les choses par le actes Daniel. Le Jacques Daniel ne peut pas ne sont pas des fondements. Le sexe n'est pas le fondement. La bière n'est pas le fondement. L'orgueil n'est pas le fondement. La concurrence n'est pas le fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. oh beaucoup des gans qui ont commencé par la bien o esuer Beaucoup de gens qui ont commencé par la concurrence Parce que tel a fait Je vais prouver Bien aimé tu vas échouer Parce que là-bas il n'y aura pas la vie Il n'y a pas les œuvres de la parole Il n'y a pas les œuvres de l'esprit C'est pourquoi tu vas échouer Dans tout ce que tu es en train de faire Ne commencez pas les choses Avant la parole Ne commencez pas les choses avec d'autres choses Mais laisse la parole prendre la place Laisse que la parole Prend le devant Laisse que tes affaires, laisse que tout ce que tu es en train de faire soit basé sur la parole, soit basé à la parole, soit basé à la parole de Dieu pour avoir un avenir, pour réussir dans ce que tu vas entreprendre, pour réussir dans ce que tu vas faire. Bien aimé, la parole de Dieu peut rassurer. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi Dieu est la parole? Pourquoi Dieu est des sa parole pour l'accomplir c'est pourquoi la parole dit au commencement n'était pas l'adoration au commencement n'était pas les offrandes n'était pas la dîme mais au commencement c'était d'abord la parole de dieu puisque les offrandes viennent de la parole puisque la dîme vient de la parole la louange vient de la parole de dieu alléluia oh yes c'est pourquoi tu dois commencer d'abord par la parole. Commence à ta parole. Commence par la parole de Dieu et tu vas réussir dans ta vie. Commence par la parole de Dieu, tu feras les miracles. Commence par la parole de Dieu. Tu verras la solution. Commence par la parole de Dieu. Tu feras des exploits. Puisque la parole, c'est Dieu. Oh, yes. Lorsque Pierre a compris, il a recommencé par la parole. Il a eu beaucoup de poissons. Il a recommencé par la parole. Il a eu beaucoup de choses. Si tu recommences aujourd'hui par la parole de Dieu, bien aimé, tu réussiras. La Bible déclare, revenez à moi et je reviendrai à vous. Peut-être que tu étais déjà parti. Aujourd'hui, je t'exhorte de retourner à la parole de Dieu. Peut-être que tu t'es déjà détourné. Aujourd'hui, je t'exhorte, mon frère et ma sœur, de retourner à la parole. Puisque la parole, c'est Dieu. Puisque la parole peut changer des choses. Puisque la parole va te sécuriser. Puisque la parole est solide. Et lorsque tu as la parole de Dieu, bien aimé, tu réussiras dans tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. C'est pourquoi Josué a réussi. Pourquoi? Parce qu'il avait ses livres. Il avait la parole. Il agissait par la parole. Il a fait les choses selon la parole. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. La parole de Dieu, c'est Dieu. Bien-aimé, ne négligez pas la parole. Rien n'a été fait sans elle. Ne négligez pas la parole de Dieu. Marche dans la parole. Accroche-toi dans la parole. Laisse-toi s'asseoir dans la parole. Mange dans la parole de Dieu. Dors dans la parole. Fais tout dans la parole. Bien-aimé, la réception. Sera possible. Fais tout dans la parole. Le miracle sera possible. Puisque la parole, c'est Dieu. Alléluia. Et cette parole, c'est Christ. Oh yes. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit béni, c'est Jésus. Se bénisse Dieu parce qu'il est miraculeux. Bien-aimé, commence par la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas échouer. La parole de Dieu ne peut pas rater. Bien-aimé, tout peut rater, mais sauf la parole de Dieu. Puisque la parole restera. La parole restera. La Bible déclare même, le ciel, la terre vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera point. La parole de Dieu est éternelle. Attache-toi aux choses qui sont éternel. Asta, toi la parole qui est éternelle. Le problème, il peut passer. Bien, mais les difficultés vont passer. Mais cette parole restera toujours. Cette parole restera toujours. C'est pourquoi Pierre, il a bien dit Je zéterai les filets. Par ta parole, je zéterai les filets. Par ta parole, je vais commencer mes affaires. Par ta parole, je vais commencer ma vie. Par ta parole, je vais faire ces Voyage, par ta parole, je vais commencer mon business, par ta parole, je vais commencer mon ministère, par ta parole, je vais agir, par ta parole, et la solution, et les miracles, les exploits, sera possible, les exploits, sera possible, mon mariage, dans ta parole, oh, tout dans ma vie, par ta parole, je vais agir, par ta parole, je vais me marié par ta parole puisque lorsque tu fais et tu es en train d'honorer la parole de Dieu et tu honores Dieu et tu seras béni Alléluia, il faut que ton offrande soit aussi par la parole de Dieu et que tes prières, ton adoration par la parole de Dieu et tout ce qui s'est fait par la parole n'est sous jamais, n'est sous jamais, Alléluia Oh, que le Seigneur soit béni. Je veux prier pour toi. Je veux déclarer des paroles pour toi. In the name of Jesus. Lève tes mains maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, tu envoies ta parole. Je prie pour ma sœur. Je prie pour mon frère. Laisse que ta parole produise des grands effets. Laisse que ta parole produise les miracles. Et que les miracles s'opèrent. La guérison, le succès, la stabilité. Maintenant, in the name of Jesus, oh, que mon frère soit guéri et que tout ce qu'il fait puisse se réussir dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. In the name of Jesus. Dites trois fois, Amen. Amen, 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 Amen. Gloire au Seigneur. Que les sermons vous bénissent. C'était votre frère l'évangéliste Rodrigue Makumo. Soyez toujours bon, que le Seigneur vous bénisse. Merci et à bientôt.